Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Et là, on a passé en revue à pile éléments qui sont dans l'actualité, notamment on a retourné sur le dernier événement week-end qui s'est passé là. Mouvement attention en pile zone dans la capitale là, en pile zone, en pile région, en pile à Téconé. Et là, avec question en pile magasin, en pile entreprise qui pillé ou même incendié pendant un mouvement saillot. Et il a souligné le mouvement après le démarrer ou bien déclenché suite à ajustement pour gaz à la pompe. Et là, depuis le Sahara, il y a un ensemble de réunions, un ensemble de consultations qui a été faite au niveau du Palais national. Il a souligné tout. Et le gouvernement, après, a décidé de retourner sous décision Sahara. Pas oublier, Gazio était même priorité suite à disposition administration Moïse, à gouvernement La Fontaine-Plan. Après, mouvement tension que tu as gagné dans le pays au week-end qui se passe. Là maintenant, qui sa prochaine étape? Hier, chef de l'État a rencontré un pile secteur, comme groupe, responsable de plusieurs partis politiques, il a rencontré tout forum économique secteur privé. D'après le connaît qui s'acte dit dans le cadre de conseil, et parallèlement, il y a des voix qui ont levé pour demander pour gagner un changement au niveau du gouvernement. Et il y a même une séance d'interpellation qui prévoit pour ce samedi, selon le secrétariat Chambre députée et président Chambre députée, Gary Baudot, l'y confirmé. Et à côté de ça, il y a des voix dans l'opposition même qui a fait des mouvements et qui ont même voulu aller plus loin. Il y a pas de monde tout ça avec une porte-parole la présidence. Tamara Ouyon, nos premiers temps, et puis après, on va parler tout avec une voix dans la société civile, la professeure Emmanuel, qui a rejoint nous dans la deuxième partie émission pour jeudi. Madame Ouyon, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, monsieur Nedo, bonjour avec tous les téléspectateurs et téléspectatrices TNH. Mais c'est avec un pile plaisir. Nous sommes toujours contents de participer avec vous pour nous capables de faire mise au point pour nous permettre à la population de connaître qui ça qui gagne dans l'actualité et comment les gens choisissent pour diriger là à mener le pays. Bon, nous voyons ça qui passe. Et week-end, c'était prévisible, non? L'audit, c'était prévisible. Est-ce que vous pensez que ça t'est arrivé là? Écoutez, quelle que soit la décision que vous prenez dans la République, il y a toujours des gens qui sont d'accord, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. D'ailleurs, la Constitution reconnaît que les gens qui ne pas d'accord, qui a fait grève, qui a fait manifestation, qui a fait toute expression pour dire qu'il n'est pas d'accord. Cependant, il y a une forme pour dire qu'il n'est pas d'accord. Il y a des gens pour dire que je ne pas aimé ça qu'a fait là. Est-ce que parce que je ne suis pas d'accord, je suis obligé de bouler tout ça? Est-ce que parce que je ne suis pas d'accord, je suis obligé de craser tout ça? Est-ce que parce que je ne suis pas d'accord, je suis obligé de cibler des gens pour me dire bon, ça y est, c'est eux qui mettent dans ça? Et puis, il y a tout le monde qui est capable d'exprimer. Mais, tu as notre contexte, une décision prend, et la population lit et fait passer vos revendications. Le président Jovenel Moïse a adressé la vectation, dit population que vous parlez, l'étendez, et il y a un retrait qui prend de décision. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt, c'est un signe d'esprit d'ouverture qui montre à la population que le monde qui a dirigé là, n'est pas un monde qui a fait la sourde oreille, qui n'a pas attendu, côté lien, qui n'a pas attendu personne. Au contraire, il connaît que chaque pas que le fait, chaque décision que la prend l'intérêt population. Donc, si la prend l'intérêt population, la population l'attendait, la population parlait, pardon, elle est obligée d'attendre. On dirige, c'est prévoir. Est-ce que pas de gagner des six avant-coureurs qui te fait comprendre que si on était allé dans l'ajustement prix gaz là, mais ça le tabano et de faire des salbailles week-end là, un pile magasin pillé, un pile et magasin incendié, et mon pas de cap la rue pendant 2-3 jours. Écoutez, Haïti pas fait gaz. Faut que nous honnêtes et faut que nous capables d'expliquer la population ça clair. Nous pas fait. Capacité de stockage nous tout limité. Je dis un côté que nous avons acheté autrefois, qui c'est avec Venezuela, à cause des sanctions qui sont sous les, je dis nous pas acheter gaz dans le Venezuela. Nous pas acheter tout, mais Iran parce qu'il y a des sanctions sur eux. Donc, je dis, il y a une explication qui bat la population pour expliquer que les montées sous marché international là, et il y a des décrets qui sont sortis qui prennent déjà, qui dit que depuis le montée sous marché international, il est obligé de monter. Bon, là, c'est pas nous. C'est malheureux que c'est un ajustement pour carburant à la pompe qui occasionne tout ça. Mais écoutez, dans quel que soit pays, carburant monté. Et nous d'accord que son produit transversal. Nous d'accord que l'aile montée, il y a des répercussions sur la vie population. Et c'est ça que fait. Chaque fois, voix autorisée, on a gagné chance pour prendre la parole pour expliquer à la population. On dit, je dis, recette qui pourrait le faire sur carburant, l'y pourrait injecter dans des programmes pour nous capables de joindre plus de monde dans le pays.
parce que pouvoir conscient que majorité population en une situation qui est difficile. Il y a des gens qui vivent avec moins de $ américains par jour. Il y a des gens qui ont l'État seulement à travers une carte électorale, qui ont palmé sous les, c'est ça le songe que l'État existait. Mais bon, la Kaili, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de tribunal de paix, il n'y a pas de bon école, il n'y a pas de route. Donc, il y a besoin que l'État arrive sous lui. Et pour l'État arriver sous lui, faut gagner moyen pour l'État arriver sous lui. Faut que l'État gagne pour répondre. Et pendant ces 17 mois que le président Jovenel Moïse gagne sous pouvoir, tout travail que il a entrepris avec les mêmes ressources que nous disposons. Je dis, hein, gagner des dégâts faits en de la République, là, et c'est dommage que tout dégâts ça vous fait, mais en l'État responsable, quelle est responsabilité qui apprend? Parce que si nous faisons retrait sous lui, parce que nous n'avons pas tout ajuster du tout. Écoute, son point de vue, mais pas oublier, nous avons des choses qui sont fondamentales. Nous pas faire, nous acheter. Et le n'a pas acheté, il augmente. Et chaque fois qu'il augmente, il faut que l'État joigne au moyen pour lui prendre l'argent à côté puis pour l'injecter. Je veux dire, si on a fixé son habité, on a vu regarder tout ça qui passe. C'est l'image ouvrée, c'est des images. On a dit, il est macabre. Il a passé dans des limites là, il a passé, on a dit, dans plusieurs magasins, Pétionville, pour les gens là. Qui est-ce responsable de ça qui passe là? Oh, on dit, on m'a dit, qui est-ce responsable de ça qui passe là? Oui. La question adresse à porte-parole là ou bien à Tamara Ouyon? Non, mais c'est porte-parole. Écoutez, aujourd'hui, on mettait nos registres de porte-parole, président. Et rappelons que président, l'événement ça a passé, il a rencontré tout le monde. Et il dit que l'État prend responsabilité pour ça passer. Pas de monde qui a failli avec mission. Mais là, dit qui est-ce qui est responsable de ça passer? Est-ce que c'est le monde qui est responsable de ça arriver, qui a déblosé à eux? Parce que l'on l'État, l'on la République, ou a dirigé, quel que soit ça arriver, faut que moun ki placé pour ça yo mette dimension homme et femme d'état yo pour capable corriger situation et avancer, et c'est ça que fait président Jovenel. Et ça fait président Jovenel Moïse rencontrer avec tout secteur et rencontre yo a continuer. D'une part, il rencontrer avec représentant trois pouvoirs l'état yo, bon, lui-même de représentant de chambre au niveau du parlement, il rencontre également avec le président de la Cour de cassation, après il rencontrer avec membre secteur informel là qui ont même tout perdu. Bizition, les rencontrer également avec membre forum économique secteur privé, les rencontrer également avec responsable des partis politiques, les rencontrer tout avec membre corps groupe pour dialogue, la discussion continue pour nous capables arriver dans situation côté nous prend des décisions qui n'ont intérêt population pour genre de action ça y est pas arrivé. Parfait. Parce que là même pas du pire, c'est ça, est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est la police qui a implémenté ou levé passivité dans quatre mouvements que tu as fait? Est-ce que tout c'est mon gars qui fait des audios? C'est ça, c'est... Écoutez, aujourd'hui, parler de qui a raison et qui a tort, pour moi, c'est garder vers à moitié vide ou bien à moitié plein. Mais et vois, aujourd'hui, on fait plus... Écoute, tout ça va le faire encore. Tout à fait, quitte me continuer. Donc, dépendamment de qui qu'on regarde, on va regarder à moitié plein, on va regarder à moitié vide. C'est ça fait. Je dis, il faut que discussion continue, il faut que tout le monde parle pour nous capables de garder et qu'on qui est fondamental dans samedi. Je dis, quelle que soit la décision qu'on prend, il faut que nous prenions bien. Faut que nous prenions l'intérêt population pour nous éviter ça arriver, parce que ça arrive à grave. Nous nous pays côté l'État c'est plus gros pouvoir d'emploi, ça veut dire l'État c'est plus gros monde qui a bail travail, secteur privé qui lui même a bail travail tout. Je dis après un gros coup, parce que là il y a un monde qui a travail, monsieur Lindor, mis à part il y a une tête qui pour l'occuper, il y a au moins 4 à 5 6 monde que lui a soutenu. Donc imaginons en seconde monde ça a perdu travail lui. Côté que le pas qu'on est qui le la pour prendre, ni pas qu'on est qui le magasin ça pour l'ouvrir. Et aujourd'hui, au moins dans le mois de juillet, dans un mois encore, l'école va l'ouvrir. Et tout le monde connaît en d'un pays, hein, l'école va l'ouvrir. Qui problème, qui situation difficile parents à vivre. Donc aujourd'hui, on demande des gens viennent investir, on attire investisseurs, on parle avec eux et puis on les voit bon matin où est cette image ça qu'a fait. Parce que ça qu'a fait en deux pays un week-end qui s'est passé, pas seulement arrêté la passer dans médias locaux, mais passer sur réseaux sociaux, il passer à travers chaîne de télévision qui c'est CNN, qui c'est France 24 et image yo. Yo fait mal. Week-end ça c'est week-end fête sodo. Grand pile monde qui t'a venu dans fête sodo. Fête champêtre commencer. Mais est-ce que un haïtien qui dit bon, il y a le pays m'a venu quand même. Est-ce qu'il va prendre responsabilité pour le prendre au étranger pour finir avec lui pendant que l'étranger a ouais ça arrivé? Donc aujourd'hui, il fait mal. Bon côté pouvoir il fait mal, bon côté monde qui a parlé avec monde pour venir investir il fait mal, mais bon côté tout monde qui t'a travaillé tout. Grand pile victime de monde jodien qui au chômage. Parfait. On regarde les rencontres qui fait chaud.
Et le président Jean-Charles Souligné là, nous pouvons être chita avec le représentant de notre pouvoir, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, il parle avec le secteur informel, il parle avec le forum économique secteur privé, il parle avec le représentant et plusieurs formations politiques, il parle avec même comme groupe. On commence avec le représentant et le pouvoir, l'autre pouvoir, qui ça te dit dans la rencontre ça? Sur qui ça, monsieur, mettez-vous d'accord? Écoutez, dans la rencontre ça, chef d'État prend le temps pour l'expliquer ça qui s'est passé et position et gouvernement. Parce que la question rose des prix carburant, il faut voir le gouvernement. Parce que le dossier, ça, c'est pas un dossier que le cabinet de la présidence s'est traité. Et responsable, on va dire président de chambre, même, il a fait valoir point de vue. Et la question de la mise à pied du gouvernement était sous table. Et au niveau du président Jovenel Moïse, il montrait qu'il est réceptif, il écoutait, mais il faut qu'il rencontre avec tout le monde avant qu'il y ait une certaine décision qui prend. Gagner tout une rencontre avec également le secteur informel là, ils ont même tout, ils ont estimé qu'ils sont victimes, ils ont parlé de difficultés que le secteur a gagné parce que nous pouvons gagner mon travail. Ils sont victimes. Ils sont victimes en pile. Ils ont des gros musiciens, mais le secteur informel là, c'est capable de dire que c'est un poumon économie pays parce qu'ils sont en pile. Et le secteur ça, ils subit en pile. Et le gagner des blousons dans le pays, au premier chef, c'est eux-mêmes parce que eux-mêmes n'ont pas de magasin côté au café, mais puisque c'est dans la rue que ont dégagé. Ils ont parlé tout de situations difficiles qui gagnent dans le pays, qui empêchent que les musiciens marchent bien. Et ils ont parlé tout de l'impact de la crise gagnée sur le fonctionnement. Yo, parce que ça a empêché que ils menaient l'activité au bien. Et l'objectif principal, yo, c'était chercher un consensus pour permettre que nous joindre aux portes de sortie pour nous capables de relancer l'économie. Parce que si l'économie nous en fait, mais tout le monde comme ça. Avec le secteur privé, le secteur privé a repris la même position que a été exprimée à travers l'aide que le Forum économique a été envoyé dans la presse. Et vous mettez en pile accent son proposition tout de sortie de crise, parce que dans janvier, la FOC une proposition faite pour tout le monde capable de vivre clair. Et vous parlez tout de situation précaire que le peuple a vive. Et là, d'ailleurs, il y a un pile qui fait des propositions pour être capable de garder, comment être capable de créer des conditions pour être capable de permettre que tout Haïtien vive bien. Mais, gens que le monde qui l'a aujourd'hui en cap dirigé, mettez ça dans la ligne de vision. Yo. À travers mon corps groupe, le président était présenté. On est présenté par le président et à peu près ici en tout le monde de ses parties à sa privée. Et mon propre groupe a tout renouvelé si pour le pays d'Haïti et par Haïtien. Et a été exprimé et en pile déception par rapport avec agissement. Quelques monde qui t'a de répondre présent par rapport avec ça qui gagne en d'un pays, un week-end qui s'est passé là. Je rencontre avec parti politique, yo, même était plus chita sur conjoncture politique là. Yo parlé de questions et bah, problème qui était gagné week-end qui s'est passé en d'un pays. Et parti politique, yo, moi je dis en tout que yo prend engagement pour représentant yo discuter entre yo pour capable proposer à yo même une proposition de sortie de crise avant 2 heures. Et vous parlez tout avant 2 heures jeudi, et parti politique, vous avez choisi tout fixer en rencontre pour être capable de même tout travailler sur proposition si là. Parce que vous avez même tout, vous parlez de questions mise à pied de gouvernement, puisque ça, dans quelle que soit rencontre, moi ça, il est toujours venu. Alors, si vous bien compris, nous constatons toute rencontre que vous demandez pour le gouvernement aller. Constante toute rencontre, moi ça, à l'autre du jour. Vous demandez pour le gouvernement aller. Parfait. Qui est le président comprend ça? Moi, je dis déjà, président, chaque fois, il a fait un dialogue et rencontré, il vient faire un dialogue très ouvert, il tendait. Mais c'est là qu'il a rencontré tout le monde, il a discuté avec tout le monde et puis décision qu'il prend pas. Maintenant, dans le cadre de forme économique sur le selon les données que nous et monsieur forme économique sur le était là, c'est ma très dame dans la photo, elle dit monsieur, et au fait, je crois que le président, c'est lui-même qui t'a demandé pour le ministre de démissionner, au lieu de quitter que c'est le Parlement qui interpellé le Jean Parlement Mandel pour faire samedi à 10h. Qui Jean président t'es compris? Elle a encore son proposition. Elle a encore son proposition. Parce que l'on a discuté, l'on a parlé avec plusieurs mondes, et autant de chaque monde, ou noter proposition que l'on a. Et c'est pour elle à vous-même. Et comme l'aime dit ou même pour aux téléspectateurs capables de comprendre, le président de tout le monde, et c'est un président qui prend bonne décision, mais une bonne décision qui peut aller en faveur de la population. Parce que faut que la population comprenne le mot ça que le président Jovenel Moïse te dit dans l'adresse à la nation. Le peuple a parlé, le président Jovenel Moïse tendait. Et le peuple a. Les gens qui le parlent, les gens qui l'expriment. Ce n'est pas des gens qui vont chercher un libre sous revendication du peuple. Mais le peuple a des gens qui le parlent, et le président Jovenel Moïse le parlent.
l'étonner. Mais si il y a une session constante, est-ce que là, le papa est incontournable? Est-ce que le président Jovenel Moïse a un choix au dia? Est-ce qu'il a arrivé qu'un des gouvernements? Jean dit, tout le monde qui a parlé, on dit, on se le bagage, il faut que vous parlez. Écoutez, rencontre pas campé, rencontre pas continuer, il y a des rencontres encore qui continuent. Et aujourd'hui, nous sommes mercredi. Donc, me demandez, est-ce que la Kembe, est-ce que le pape Kembe, rencontre pour qu'on finisse. Donc, le président Jovenel Moïse a continué à rencontrer le monde, la proposition a toujours venu et la population a fait le président Jovenel Moïse confiance. La décision à prendre, toute rencontre finie. Décision à prendre et proposition de sortie de crise, là, tout le monde a connu. Parce que je dis, ce qui est, c'est que nous, pays qui a vivent une situation difficile. Bon professeur Kremel dit, une situation complexe et compliquée. Donc, quelle que soit la décision qu'a prend, il doit prendre dans l'intérêt de la population et il doit prendre tout, dans le sens que pour gagner des signaux clairs qui montrent à monde qui n'a pas de pays, à monde qui dans l'opposition, à monde qui dans la communauté internationale, là, que le président Jovenel Moïse lui mettait dans la dimension responsabilité qu'elle gagne. Parce que quel que soit mon jodien qui a gardé et pour pouvoir le président Jovenel Moïse a dit que le président Jovenel Moïse a de faire à gauche au lieu qu'elle fait à droite, mais est-ce que si on est en place, il a fait même là? Parce que situation qu'on a vu jodien, situation économique pays gagne jodien, quel que soit mon qui était président, même si c'est mon qui parle plus fort de l'opposition, qui est président jodien, m'assurer que les spectateurs qui a gardé là, il a pris la même décision. Est-ce qu'elle a des capacités pour lui mettre la même dimension à président Jovenel Moïse pour le côté pour le peuple là? Je ne sais pas. Mais en nous garde l'histoire récente du pays, chaque fois, l'économie a un problème, l'État a besoin de joindre des moyens pour être capable d'aller vers la population, il est côté le virer. Il faut regarder parce que l'histoire est là. Même si on n'est pas obligé de faire même barre tout le temps. Et nous, peut-être nous t'avons tiré le son. Nous d'accord que nous pas obligés de faire même bagaille tout le temps, dans la mesure côté que ça prend le fait après, la fait effectivement dans l'intérêt de la population. Parce que je dis, décision pour un monde, dit gagner bon l'école, gagner l'hôpital, gagner route, gagner également un pays côté monde dans senti que la caille. Pour touristes capables de venir, ça c'est une décision incontournable que vous Je dis, quel que soit le mot que le président Jovenel Moïse a cité, les cités route, les cités courant électrique, les cités de l'eau potable. Ça, c'est trois facteurs qui se signent, qui montrent à clair que le pays a besoin de développement. Enfin. Mais en nous regardant le discours, l'autre monde a parlé. Parce que je dis, quel que soit le monde qui veut venir de là, la regarde, est-ce qu'on est courant, est-ce qu'on est route, est-ce qu'on est de l'eau potable, est-ce qu'on est de santé, il faut nous comparer, seulement comparer nous avec la République dominicaine. Mais tout ça, tout faut une stabilité. Et c'est ça nécessairement. Nécessairement, il passait par la stabilité politique, mais c'est dommage. Non, mais c'est dommage. Il y a un peu de monde qui sentit qu'il est confortable dans l'instabilité. C'est dommage qu'il y ait des monde qui sentit qu'il est confortable côté que c'est chaos. Il y a plus à dire en avancer, à délanter, en nous demander d'aller. Mais pas oublier que jeudi, en mercredi. Mais jeudi, vendredi, go on tropical qui arrive sous nous. Est-ce que les gens je dis commencer par la population pour dire que déplacer? Aujourd'hui, on demande à la population de se ravitailler et puis après, n'a pas mais nous sommes peuple qui vivons jour le jour. Faut que jeudi, les gens qui a parlé pour peuple, qui a montré peuple que le président Jovenel Moïse a pris, c'est pas bon. Là, faut que y ait courage pour dire vérité. Et vérité, jeudi, c'est que nous dans une situation difficile. Nous nos situations complexes, faut que nous marissons-nous en tous côtés. Pas seulement on boit, marissons-nous en tous côtés pour nous capables d'aller vers l'avant. Parce que je dis, si nous devons sortir dans ce là, il passe nécessairement par la stabilité politique. Parce que pas qu'un monde qui est corps d'un mêle qui a envie d'investir dans la stabilité. Bon, surtout par rapport avec ça qui se passe là. Ah, oui. Et maintenant, il y a l'autre chose qui dit qu'il prévoit faire. Et je dis, vous avez idée de comment agenda est, non? Quand tu vas continuer déjà il y a une proposition de sortie de crise que parti politique yo avant 2 heures et me connaît tout gagner de l'autre groupe que le président Jovenel Moïse toujours gagner pour les rencontrer dans cadre de rencontre ça puisque dialogue là c'est constante. Finalité rencontre c'est fait ça. Finalité rencontre c'est jeune véritablement une proposition. Il chita mettez-nous d'accord sur les côtés de nous aller et pour décision prendre de la paix et la tranquillité pour personne ne pas sentir lésé dans quelle décision qu'il prend. Gagné chambre de députés à bon séance interpellation samedi. Est-ce que le président Jovenel Moïse, par rapport à route que la prend, la paré pour prendre décision avant samedi? Bon,
pour le moment, je ne peux pas connaître les décisions parce qu'on connaît les décisions qu'on prend et les modes de gage. Pour le moment, je ne peux pas connaître les décisions qu'on prend avant samedi puisque je dis à moi mercredi. Mais je dis à moi qu'on est. Que rencontre a continué, discussion avec tout secteur dans la vie nationale a continué pour le président Jovenel Moïse capable de prendre plus bonne décision dans l'intérêt de la population. Ça me connaît. Mais je me demande pour la séance d'interpellation de samedi, on s'en sert, c'était en continuation. Et histoire, ça a toujours montré qu'au niveau du Parlement, il y a des gens qui ont fonctionné, les séances mettent en continuation, qui ont choisi n'importe jour dans ce moment pour continuer avec les séances. Mais ce qui est, le président Jovenel Moïse n'a pas chômé, il n'a pas dormi, il a continué la rencontre là pour le capable de passer cap là. Pour nous capables de mettre nous vers de nouveaux horizons, pour nous permettre que dans titre crétéa avant l'ouverture des classes là, parce que nous avons une période cyclonique, faut qu'on va oublier ça, que la population sentit que nous l'étions choisi pour diriger là, pas oublier la prendre des décisions en fonction de priorité et en fonction de besoin. Parfait. Mais en fait, on temps, la présidence qui a été dit, bon voilà, d'ici après tout rencontre, d'ici jeudi, vendredi, faut qu'on va arrêter. Et pas mon deadline pour ça, non. Pour rencontre fini. Et puis après, pour que le président avec cabinet lui discute et puis dit qu'il décision que le prince ou dessus ça. Une fois rencontre fini, monsieur Nedo, on connaît, et une fois décision, on connaît. Mais il n'y a pas de prendre ni trop tard, ni trop bonheur. Parfait, parfait. Mais nous parlons tout en lecture sur séance qui te mettait en continuation, que la Chambre des députés a annoncé la reprendre samedi. Écoute, c'est un prérogatif constitutionnel, parce que il a souvent dit que le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Et c'est le cas. Et le gouvernement, il tire légitimité du Parlement. Mm-hmm. Et c'est parce que toute population, toutes 11 millions que nous y a, selon statistique, là, pas qu'à descendre pour constituer tête en parlementaire député, il choisit 112 députés, il choisit 30 sénateurs qui pour. Mm-hmm. Parler non non qui pour garder pour lui et c'est rôle parlementaire pour veiller action gouvernement donc là pas d'accord fonctionnement au ministre yo relé ministre yo convoqué yo invité yo interpellé qui c'est dernier recours c'est normal c'est prérogative yo c'est travail yo parce que tout peuple là va constituer tête en parlementaire peuple là confier des monde pour faire travail ça et parlementaire a fait travail constitutionnel yo puisque c'est santé mettre en continuation et monsieur que c'est parce que gagne des parlementaires qui t'estimer que satisfait, yo te confortable, pas très, yo mande détail. Sa population comprend c'est que rôle parlement, c'est pour veiller action gouvernement. C'est pour lui redis oreille gouvernement dans bon langage créole là parce que le gouvernement a pris légitimité, il était venu te présenter un bagage qui énoncé politique générale, il dit mais ça me va le faire. Et c'est à parlementaire pour regarder qui ça va le faire. Donc c'est à eux-mêmes qui va le connaître comment il a fait, c'est ça mais nous toujours connaît selon la loi, c'est ça au fini de gens. On vote de confiance, on vote de non-confiance. Mais il y a une voix de l'opposition, même si tabou là, ça a dit là. Écoutez, l'opposition a toujours dit salve-le. Il a toujours demandé exactement salve-le. Mais tout le monde qui a regardé là, connaît qu'on seul gens qui prend pouvoir. Selon la Constitution, l'heure où dit c'est démocrate, c'est par le biais des élections. Donc, c'est anormal. Chaque fois un président monte pour des gens, il faut l'aller. Mais écoutez, mais qui sont faits de monde qui te dit bon, moi choisis. Monsieur Jovenel Moïse comme président pour 5 ans pour diriger. Donc, voir mon zao pas content. Est-ce que je dis, hein, seul gens pour être pouvoir, c'est notre transition. Et tout le monde connaît qui sa transition met le pays. C'est vrai que bon, on te dit, Haïti a vivre une transition, pas jamais fini. Mais est-ce que nous avons toujours une transition? Je prends un exemple. Constitution 1987 a dit, nous avons fait un seul conseil électoral provisoire. Après, nous avons fait un conseil électoral permanent. Nous fait plus d'une dizaine. Nous sommes 18 et pique. Nous ne pouvons jamais mettre d'accord pour faire un conseil électoral permanent. Parce que tout simplement, il y a des gens qui disent, OK, je vais mettre X, je vais mettre Y, je vais mettre Z. Mais il faut que nous renforçons l'institution. Aujourd'hui, la transition n'est pas capable de seule voie de recours en notre pays. On n'est toujours pas d'accord. C'est ça, c'est le droit pour pas d'accord. On n'est toujours pas d'accord. Mais où est-ce pour exprimer pas d'accord là? Ce n'est pas dans le raza, ce n'est pas dans le tabou la raza. Parce que je dis, ça qui se passe le week-end passé dans notre pays, et ça m'ouvre comme dégâts, nous perdons au moins 50 ans. Parce que la République dominicaine, pas tant, lui-même n'a pas avancé. Et nous-mêmes, malheureusement, nous toujours été dans le carcan ça. Ce carcan qui dit, voulez pas, voulez faut l'aller, retirer comme on ne mettait pas, nous ne faisons pas bien passer. Mais est-ce que j'aime expliquer à la population hein? Bon, c'est vrai que je suis dans l'opposition. Ce matin, je ne vais pas faire la leçon, non, c'est parce que je vais me poser une question. Bon, lecture de questions, et ça, c'est à Marouille, j'assume. Donc, c'est que, ou pas, j'aime dire, si c'était moi-même qui était dans la place, li, mais qui j'aime d'appeler. Ou pas, j'aime proposer l'alternative ça. Monsieur Nendo, il faut leur demander, l'alternative c'est quoi? Après le tabou la rasa, l'alternative c'est quoi?
C'est qui ça l'alternative? Parce que je dis, peuple haïtien, mais alternative. Il dit le besoin de travail, il besoin de courant, il besoin de l'eau, il besoin de l'hôpital, il besoin de santé. C'est ça l'alternative. Et c'est ça que fait le président Jovenel Moïse, en chef de l'État, garant bonne marche institution, prend responsabilité pour le bail population, c'est que ça me société là. Courant électrique, de l'eau potable, travail, santé, bon gens d'école. Parfait. Et là maintenant, et au niveau de la résidence, vous dites que le travail va continuer, la consultation va continuer, qui sa population qui a gardé là, doit attendre pour que vraiment l'activité commence à reprendre là, pour continuer. D'ailleurs, l'école pas trop loin arrivée. Il faut que dans la rue chercher le pain, qui va l'aider au jeune moyen pour terminer l'école. Qui ça est garanti à Jodia et Madame Orion, bon côté de la présidence, on a dit Mounio, que vous connaissez vraiment plus de peur que de mal, gagner des mesures qu'on prend pour que stabilité, pour que sérénité, pour que la paix établie. Tout bon vrai dans le pays. Dans la population, d'une part, la vie commence à reprendre timidement dans le pays, continuer à paquer avec activité. Parce que nous sommes peuples qui vivent au jour le jour. Moi, je connais des gens qui pratiquement font 3 jours sans manger. Parce qu'ils n'ont pas de paré pour ça. Continuer à paquer avec activité. Continuer à mener activité, puisque au plus haut niveau de l'État, la population, c'est que ça me sollicite là. Courant électrique, de l'eau potable, travail, santé, bon gens d'école.